Béninoises et Béninois, chers compatriotes, les opérations de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle viennent de s'achever. Dans un souci d'information de l'opinion publique, et également dans un souci de transparence, la Sénat voudrait faire le point du déroulement des opérations de vote au cours de cette journée. Le défi qui était lancé à la Sénat dans le cadre de cette élection présidentielle portait d'abord sur le déploiement et la répartition du matériel électoral dans les différents arrondissements de notre pays. À l'issue des opérations de vote d'aujourd'hui, je puis vous assurer que grâce au concours des forces de sécurité publique et de défense, la Sénat a pu déployer le matériel électoral dans toutes les communes de notre pays, sauf dans la commune de Tchaou. Ces matériels électoraux ont été répartis au niveau des différents arrondissements pour permettre aux électeurs de procéder à leur vote. Je puis vous assurer également que grâce à ce concours, les opérations de vote ont pu démarrer dans la majorité des postes de vote à l'heure indiquée. C'est-à-dire que les opérations de vote n'ont pas connu un retard important, même dans les endroits de la partie septentrionale de notre pays. La deuxième observation que nous voulions faire, c'est d'indiquer les localités où le vote n'a pas pu avoir lieu en raison de diverses contraintes. Il s'agit d'abord de la commune de Tchaourou, où malgré toutes les dispositions que nous avons prises pour permettre la répartition du matériel électoral, les opérations de vote n'ont pas pu se dérouler parce que justement ce matériel électoral n'a pas pu être réparti dans les arrondissements en raison des difficultés d'accessibilité de la commune de Tchaourou, notamment l'arrondissement central où était entreposé le matériel électoral. C'est dire que nous avons tout fait pour que cette commune, comme le reste des autres communes du Bénin, prenne part à l'élection présidentielle de ce jour. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour que cela se passe ainsi. Donc, après la commune de Tchaourou, où les opérations n'ont pas pu se tenir, nous avons également 4 arrondissements de la commune de Banté, où les opérations n'ont pas pu se tenir, soit à cause du fait que les membres de poste n'étaient pas présents, ou tout simplement ils ont été dispersés par des manifestants.
Nous avons aussi enregistré deux arrondissements de Savay où le vote n'a pas pu se tenir pour les mêmes raisons. Il y a également des postes de vote dans la région du premier, dans Parakou, notamment le premier arrondissement de Parakou, et dans un poste de vote de Péréré. Au total, nous avons eu 16 arrondissements où 5 sur 546 dans notre pays où le vote n'a pas pu s'effectuer. En ce qui concerne le déroulement proprement dit du scrutin, comme vous avez eu l'occasion de le constater, le vote s'est déroulé dans la plupart des postes de vote dans le calme et la sérénité. Il n'y a pas eu, par conséquent, d'incident majeur, à part quelques incidents véritablement n'ont pas profondément entaché le scrutin. En ce qui concerne le vote des Béninois de l'étranger, à ce niveau, le vote s'est également déroulé dans des conditions acceptables. Et nous sommes en train d'attendre les résultats qui, j'espère, vont nous parvenir incessamment. Bien entendu, la question qui pourrait être posée, c'est celle du taux de participation. Elle est légitime, mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, en mesure de donner ce taux de participation, puisque le code électoral exige que les coordonnateurs apportent la feuille de compilation avant que nous ne puissions procéder à la compilation générale qui nous permettra d'avoir le taux de participation. À l'issue de cette journée électorale, je voudrais exprimer les sentiments de reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité qui nous ont permis d'acheminer à temps le matériel électoral malgré toutes les barrières qui ont été érigées sur nos axes routiers. Je voudrais également dire un grand merci aux observateurs internationaux qui sont venus dans notre pays pour nous soutenir et pour observer le déroulement du processus électoral. Le fait que cette journée se soit déroulée dans une ambiance calme traduit bien ce que nous sommes au Bénin, c'est-à-dire un pays de paix. Je ne vais pas non plus manquer d'adresser notre merci aux professionnels des médias qui, depuis le début du processus électoral, nous ont accompagnés à travers toutes les activités que nous avons menées pour permettre à l'opinion publique d'être au courant de tout ce qui se passe à la Sénat dans le cadre de la préparation de ce processus électoral. Vous vous attendez certainement au résultat de cette élection et surtout à la date de cette élection, à la date de la publication des résultats. Nous ne venons que de finir les opérations de vote. Nous n'avons pas encore tous les résultats.
Nous n'avons pour l'instant que 3 arrondissements. Par conséquent, nous ne pouvons pas, à l'étape actuelle, vous dire que nous vous donnons tel résultat. Le code électoral nous demande d'attendre que les coordonnateurs d'arrondissement nous fassent parvenir eux-mêmes leur fiche de compilation. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les présidents de notre organisation sous-régionale, c'est-à-dire les membres du RESAO, organisation regroupant toutes les commissions électorales de la CEDEAO et dont un des représentants se trouve ce soir avec nous, à nos côtés, pour nous soutenir, nous encourager. Vous savez, lorsque vous avez des amis qui viennent vous soutenir, eh bien, cela vous permet d'être, ou cela, il constitue plutôt pour vous un rempart, non seulement contre la solitude, mais également un rempart contre le découragement. Je voudrais leur dire merci et remercier également, enfin, le peuple béninois pour avoir écouté notre appel, pour avoir suivi ce que nous avons dit à la veille de l'élection, à savoir que nous sommes un pays de paix et que chaque citoyen était appelé à aller aux urnes dans la discipline, dans l'ordre et surtout dans le respect des gestes barrières. Je voudrais encore une fois dire merci à ce peuple et lui demander d'être toujours vigilant et d'être toujours dans le sens du positivisme pour que notre pays vive toujours en paix.